j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve pour un nouveau vlog. Oui, j'ai envie d'un petit peu vlogger avec vous pendant quelques jours. Je sais pas si ce sera un weekly vlog ou pas. Honnêtement, j'en sais rien. Mais ça va être un petit vlog avec encore une fois du petit rangement, du petit tri. J'ai envie vraiment d'attaquer avec vous le tri de ma coiffeuse dans ma chambre et de mon rangement à bijoux. Vous verrez tout à l'heure de toute façon. Et bah, j'avais envie de faire ça avec vous. J'ai aussi des box à ouvrir, donc je pense que je ferai ça aussi avec vous après. En tout cas, aujourd'hui il fait un petit peu de soleil là, c'est extraordinaire. Du coup on va pouvoir entamer un petit peu le rangement de ma chambre parce que j'ai envie un petit peu de trier. C'est un peu le bazar, vous verrez. Et il faut, mon objectif, vous le savez, je pars à l'étranger dans quelques mois et il faut vider ma maison. Et du coup j'aimerais bien vendre ma coiffeuse et mon fameux rangement à bijoux. Ce serait c'est pas des indispensables absolument pour moi là dans ma maison. Et du coup je vais essayer de garder que les meubles indispensables jusqu'à cet été. Donc c'est mon objectif du jour. Est-ce que je vais y arriver? J'en sais rien, mais en tout cas peut-être qu'en filmant ça va me booster et voilà, partager ça avec vous, ça va me motiver. Donc j'y vais tout de suite. Bon, voici ma chambre. Rien d'extraordinaire dans ma chambre, vous l'avez déjà vu, mais voici ma coiffeuse que je voudrais complètement débarrasser. Mais pour débarrasser, il va falloir que je fasse un petit peu de place ici dans mon armoire pour pouvoir mettre des petites choses en carton qui sont là et pouvoir ainsi stocker quelques petites choses ici que j'ai besoin, parce que par exemple il y a mes vernis et tout que j'ai envie d'utiliser encore. Et deuxième objectif aussi, c'est de vider cette petite armoire à bijoux. Je sais pas si je vous l'avais déjà montré, mais voilà, il faut que je fasse un petit peu. Alors il reste plus grand chose déjà dedans, mais voilà, il faut que je refasse un petit tri et que je la vende aussi. Première étape fait ici, j'ai vidé pas mal de choses, donc je vais pouvoir stocker quelques petites choses en attendant si besoin. Et ici j'ai vidé tout ce qui était Noël, mes pulls de Noël, et du coup j'ai pu récupérer ces trois boîtes et je vais pouvoir mettre à l'intérieur vraiment ce qui m'intéresse de garder jusqu'au mois de juillet, et le reste je mettrai en carton. Donc là je vais trier du coup maintenant tout ça. Thank you.
vous avoue que je me sens... Pourquoi je cumule autant de choses? Après, il y a des choses qui datent de très longtemps, mais là, j'ai énormément de bijoux. Il y a beaucoup de petites babioles, de trucs qui ne valent pas trop la peine. Mais il faut que j'arrive à ordonner tous ces bijoux et à structurer pour pouvoir savoir où je mets les choses et où j'emmène. Vous voyez là, c'est le bazar, du coup, j'ai mis tout sur mon lit. Là, il y a encore tous les bijoux là. Il faut que j'arrive à trier et surtout à organiser. C'est tendu, mais il faut que j'arrive. Donc je vais y arriver, je vais réussir. Seulement, j'essaie de réfléchir comment je peux organiser mes bijoux pour que ça soit bien rangé, propre, et que je sache ce que j'ai et que justement maintenant j'utilise ce que j'ai. Parce qu'au final, là, il y a des trucs que je me rappelais même plus, je pense. Il est clairement le soir, en fait Luna est passée me voir juste après et elle m'a aidée à pas mal trier. Du coup je vous montre ce que j'ai débarrassé, mais ça c'est ce que je garde, c'est juste que je les ai étalés pour pouvoir voir ce qu'il y a exactement. J'ai acheté une boîte à bijoux vraiment spécifique pour pouvoir mettre vraiment tous mes bijoux, je vais la commander juste après. Et là j'étais en train de trier tout ça là, et mes crèmes pour les mains etc. Donc tout ça là, c'est à vendre sur Vinted, à donner, etc. Aux copines. Donc là, Sarah, elle est déjà venue prendre quelques crèmes. Et après, le reste, je vais proposer aux autres copines et je vais vendre sur Vinted. Donc, il y a des crèmes pour les mains, des gels antibactériens, Bath & Body Works, ça rend plein de choses. Je vais faire des lots aussi, My Little Box, les accessoires My Little Box. Enfin, voilà. Je vais, ça va être pour vendre. Ça, c'est mon tri. Là, j'ai juste gardé les gels antibactériens que je voulais garder, les baumes à lèvres et les crèmes mains que je voulais garder. J'ai tout mis ici, comme ça, ça traîne plus. Et il me reste encore un peu tout ça à organiser pour essayer d'être un peu... Que ce soit moins le bazar sur mon bureau, n'importe quoi, sur mon lit. Voici tout ce que je vais donner au niveau bijoux. Le sac que j'ai quand même rempli de bijoux. Donc ça, c'est à donner. Et voilà le reste de ce que je vais vendre au niveau bijoux. Boîte à bijoux My Little Box et plein de bijoux. Anna Luisa, The Beige, Wooyard et d'autres bijoux. Là, je vais mettre tout ça aussi sur Vinted. Donc, j'ai plein de photos qui m'attendent. Je vous retrouve le lendemain matin. J'ai fait ma petite routine, cheveux, ça fait du bien. Et je me suis fait une petite tête un peu basique, simple. D'ailleurs, j'ai redécouvert une palette. Il faut trop que je vous en parle parce que je sais que j'avais dit que c'était pas une palette qui me plaisait. J'hésitais d'ailleurs à la revendre. Et finalement, là, j'ai une révélation. J'aime beaucoup l'utiliser comme ça pour faire des make-up extrêmement doux, extrêmement légers. J'aime beaucoup. Je vais vous la montrer juste après. Et je vous retrouve dans la salle de bain. C'est la I Need a Dude palette de chez Natasha Denona. Honnêtement, je ne pensais pas la re-aimer comme ça. Ça prouve à quel point des fois les palettes, on les utilise à un certain moment, elle n'est pas dans notre mood, et puis après on la réutilise à un autre moment et elle peut faire être une révélation. Voici un petit peu le rendu, hein. Ça reste des nudes, ils sont sympas finalement, ça reste des nudes neutres. Je m'attendais à l'époque à mieux parce que j'en avais peut-être trop entendu parler, et puis finalement là je l'ai ressorti par hasard. Et je l'aime bien vraiment là pour le quotidien en hiver, des petits make-up légers, j'aime beaucoup. Juste avant de venir laver mes cheveux, etc., de me laver, j'ai lancé un plat macaroni, style macaroni au four, etc. Ça sent très bon, ça me donne envie. Et sinon vous avez vu ici, j'ai finalisé du coup mon rangement, j'ai réussi. Alors je vous montre le résultat à la lumière du jour. Ça c'est ce que j'ai encore trié à vendre, ça va, vous allez le retrouver sur mon Vinted. Même cette décoration, ce produit là, ça va être sur mon Vinted là dans la journée je pense. Donc vous quand vous aurez vu cette vidéo, je sais pas si j'aurai encore tout mis sur Vinted parce que je mets pas tout d'un coup, je mets au fur et à mesure des jours. Donc restez bien connectés sur mon Vinted hein, s'il y a des choses qui vous intéressent. Ma petite coiffeuse, je l'ai bien, alors elle est complètement vide hein. Évidemment là j'ai posé mes bijoux comme ça parce que j'ai pas encore une vraie boîte à bijoux comme je voudrais, là l'armoire à bijoux est déjà descendue en bas. J'ai mis des offres sur Marketplace, mais bon, il y a toujours des charlatans, je sais pas vous, mais il y a des charlatans qui essayent de me faire des offres pourries en mode oui je vous paye par Paylib, je vous envoie un colis, un cocoli, j'adore, c'est quoi ce site internet, bon, bref.
Je réponds même pas, je dégage, mais bon, c'est dommage. Donc là, j'attends de voir si j'ai des offres ou quoi, et je vais le mettre aussi sur Le Bon Coin. Donc si c'est pas encore vendu, je vous mettrai l'annonce aussi dans la barre d'infos, au cas où vous êtes du coin, hein, de Lille. Et tout ce qui était, vous avez vu, maquillage posé sur ma coiffeuse, j'ai mis là. J'ai trié toutes mes crèmes pour les mains, etc. hier, tous mes baumes à lèvres, parce que j'avais un paquet. Là, il faudrait que je fasse un petit tri encore dans tout ce qui est... pinceau, mais j'en ai enlevé deux lots de pinceaux de chez BH Cosmétiques que je vais vendre aussi sur mon Vinted. Et voilà, le reste là, c'est ce que je garde, c'est vraiment mes rouges à lèvres préf. Voilà, ça, j'ai laissé ça comme ça, mes derniers Fenty que j'ai eu là. Donc là, pour l'instant, mes pinceaux, je vais les retrier, mais sinon, ça, logiquement, c'est ce que je suis censée un peu garder. Et ici, bon, il y a des petites babioles qu'il faut que j'ai posées comme ça, il faut que je m'y penche. Ici, c'est mes serre-têtes en fait. Alors, je sais, ils sont rangés, mais je les ressortirai peut-être un peu plus tard, parce qu'en ce moment, j'en mets pas. Et dans la dernière boîte, c'est les fameuses crèmes pour les mains, baume à lèvres et gel antibactérien que je garde. Et aussi les serre-têtes pour les cheveux quand je fais des maquillages, mais je les ressortirai à l'occasion. C'est juste que là, j'ai mis ça comme ça. Donc ça, c'est pas mal parce qu'au moins comme ça, ça va être protégé de la lumière et ça va être rangé. Il me reste plus qu'à trouver une boîte à bijoux pour tout ce bazar. Et ben voilà, c'est déjà pas mal du tout. Ah oui, et il faut que je trie aussi le petit frigo là qui est que j'ai dans mon couloir. Je vais le vider, je pense que je vais le nettoyer même s'il a très peu servi, et je vais aussi le vendre. Et alors je dois aussi ranger mes placards de salle devant. Je sais pas si je vous montrerai ça ici parce que je me dis la vidéo va être longue. Je vais d'abord ouvrir la Dégustabox d'ailleurs. Je vais aller descendre là, ouvrir la Dégustabox qui attend depuis hier. Et je vais ranger après ma salle de bain, je pense. Parce que j'aimerais bien aussi un peu cleaner l'intérieur de mes deux placards, histoire de mettre que les choses qu'on va utiliser là dans les quelques mois qui nous restent ici. Je vous retrouve du coup dans ma cuisine pour l'ouverture de la Dégustabox du mois de février. J'ai eu un doute et le thème c'est entre amis. Donc on va pas trop se spoiler, j'aime bien regarder ça tranquillement, les petits prospectus. Et du coup, logiquement, il y a des petites choses apéro pour entre amis, ou j'imagine, pour un repas entre amis. Donc ça, c'est cool, des tortillas, mais à base de patates douces. Ah, ça, c'est très sympa. Ça, c'est plutôt cool, de la marque Poco Loco, qu'on ne connaît pas du tout ici. On a... Ah bah, je vois que ma bougie, là... C'était la fin de ma petite Winter Warm de chez Party Light. Ça fait très longtemps que je les avais. Mais là, voilà, je vais pouvoir la mettre au recyclage. On a quoi d'autre dans la Dégustabox? Le popcorn Gaston micro-ondable sucré avec un petit goût d'agrumes. Pétin Miloc. Ah bah, je connais pas du tout. Mais écoutez, ma foi, on testera, mais j'ai un peu peur. Sucré, mais avec un petit goût d'agrumes. Pourquoi pas, hein. Des amandes. Alors ça, effectivement, pour un petit apéro, c'est plutôt sympa. Là, elles ont l'air salées et grillées, mais sans la petite peau, vous voyez. C'est la marque Wonderful. Ah, et ben vous savez quoi, je ne vous ai pas fait de retour, j'ai oublié, mais la dernière fois, on a testé le gâteau au chocolat de la marque Purbia qu'il y avait eu dans la box. Et mes enfants ont adoré, et mais moi et mon mari, on était un peu moins fans. Il était quand même, il avait un goût particulier qui changeait. Écoutez, là, des cookies, on testera parce que ça sera peut-être que mes enfants auront la révélation et ce sera trop bon. Et il fallait pas beaucoup d'ingrédients, donc ça c'était plutôt pas mal. Il y a une version gourmande avec du beurre et un œuf et un yaourt à grec, ou sinon, non, une version plutôt light plutôt, ou sinon une version gourmande avec juste un œuf et du beurre. Donc il y a plus de beurre dans cette version gourmande. Je testerai peut-être la version normale, sans trop de beurre. Pourquoi? Parce que la dernière fois j'avais fait la version gourmande et j'avais pas été conquise non plus à 1000%. Donc à tester, je suis pas hyper convaincue, mais à tester. On a des pancakes, alors ça c'est trop cool. Ça on adore ici, avec du sirop d'érable et tout. On les met et nous dans le grille-pain et on trouve ça trop trop bon avec du sirop d'érable, évidemment, des petits fruits rouges ou voilà, des petites choses, une petite banane, on en coupe en morceaux, on adore. Qu'est-ce que c'est ça? Du café ou Nescafé Ness, ouvrez-moi, c'est des petits sticks à café. Ça peut-être ça servira pour chérie, parce que moi, j'aime pas le café. Et si ça sert pas pour chérie, je les emmènerai peut-être au travail. Ça pourra servir à des personnes qui aiment le café, potentiellement. Oh, on a du Harry Potter, des petits bonbons, ça j'adore. Merci, Dégustabox, ça c'est trop trop sympa. Et j'ai déjà goûté, je crois que c'était les dernières, il y avait un élève qui m'en avait ramené. Et c'était pas mauvais, donc je goûterai avec mes enfants, ça c'est trop cool. On est trop contents, moi je suis contente. Hein. Et une petite boisson Pélican comme ça, Brasser le Nord. Tiens, bah, ça vient de chez moi. Brasserie du Pélican, et est-ce que c'est de l'alcool? C'est une bière blonde de haute fermentation, donc c'est une bière. Je pense que je donnerai autour de moi. En plus, c'est du Nord, donc c'est plutôt cool.
Ça peut être l'occasion de le garder pour ma mère, pour qu'elle goûte, ou pour mon frère. À l'occasion, hein, exceptionnellement, ça peut être sympa. Et pour finir, on a une petite sauce Benedicta. On en a souvent dans la Dégusta Box. Et là, c'est ail et fines herbes. Donc ça, avec de la viande, effectivement, ça peut être très bon, même si on ne mange pas beaucoup de viande ici. Mais c'est un petit pot, donc ça, ça sera à utiliser. Et le dernier, une sauce piquante originale, la Cholula. Cholula, je ne connaissais pas du tout. Et écoutez, bah ça, je verrai avec mon mari. C'est marrant le bouchon, regardez, en bois. Un peu style bouchon de Liège, quoi. Et bah, je verrai avec mon mari. Hein. Peut-être que lui, il s'en servira. Sinon, ça sera aussi pour mon frère ou mon père. On verra bien, mais ça servira à quelqu'un autour de nous, c'est sûr. En tout cas, cette box, je l'aime bien. Parce qu'effectivement, pour des amis, ça peut être cool. Il n'y a pas beaucoup, beaucoup de choses pour les apéros, hein, mais il y a des trucs pas mal quand même. Et j'aime bien aussi le fait qu'il y ait des trucs pour le petit-déj comme ça, des cookies, des pancakes. Pour les enfants, c'est pas mal. Vous me direz ce que vous en pensez, si vous, ça, elle vous a convaincu ou pas du tout. Eh, hey, hey, on se retrouve dans ma salle de bain. Ça, c'est mon meuble de salle de bain. Et comme vous allez le voir, il est extrêmement rempli et un peu beaucoup en bazar. Donc là, mon objectif, ça va être de le vider et d'essayer de retrouver quelque chose d'un peu clean, de faire le tri évidemment et de virer bah, ce que je n'utilise pas depuis quelques années. Allez go. Puis j'ai ramené du coup mon produit là, ménage. J'ai fait déjà le ménage ici au niveau du lavabo, donc j'ai vraiment plus qu'à nettoyer l'intérieur. Ça, je vais le garder parce que je l'aime beaucoup et je l'utilise énormément, mais j'en ai deux. Et je pense que celui-ci, je vais le virer parce que je l'utilise jamais. What did happen to the last 10? I ran away with my life, fast forward, never turn back again. It's kind of funny that the more we pass time, the more we need to set them rewind. And 19 was the year I had to leave you, but now I'm seeing all the signs. Is this really happening? I can't believe it's true. I'm just as surprised as you. This really happened here. I can't be too sure, but one day I'll be yours again. Life lessons come one in a dozen, the other 11 give something from nothing. Bon, voici le résultat de mon tiroir. Au final, j'ai pas eu besoin de vraiment nettoyer avec mon sheet parce que l'intérieur est en bois et qu'il y a très peu de poussière en fait à l'intérieur tellement c'était rempli. Donc là, j'ai juste un tout petit peu trié et un peu vidé des choses. C'est pas extraordinaire, mais j'ai essayé de garder l'essentiel. J'ai enlevé des boîtes vides. Ça, je vais l'accrocher avec les autres brosses à dents ici. Et puis, ma foi, sinon, ça reste plutôt clean là. On va passer au deuxième tiroir. Bon, voici le résultat, c'est pas foufou, mais on y voit un petit peu plus clair. Bon écoutez, voilà, déjà pour ma salle de bain c'est clean, au niveau du lavabo on est bon. Évidemment, j'ai pas encore commencé ici dans mon meuble là. Ça, c'est ce que j'utilise vraiment au quotidien, il y a mon make-up du quotidien, mes rotations et tout. Donc ça, je le ferai un peu plus tard, pas tout de suite, ou c'est pas le plus urgent. La prochaine vidéo, je pense, parce que là je vais pas le faire dans ce vlog qui va être déjà, je pense, long, ce sera ce meuble-là, qui, si vous avez vu mes vidéos, rangement make-up et tout, est rempli de soins. Donc il y a tout ce qui est sérum, crème pour le visage, démaquillant, voilà, tous mes soins dans ce meuble là. Donc ça sera la prochaine étape, je pense, dans un prochain vlog. Ce qu'on va faire, c'est que je vais aller faire à manger avec Rapouillou et je vous retrouve soit ce soir, soit demain pour l'ouverture de deux petites boxes. Et je pense que je vous ferai un concours aussi dans cette vidéo avec des produits que j'ai triés, qui sont évidemment neufs, peut-être des produits des boxes que j'ai reçus que je n'utiliserai pas. Je vais vous faire un petit lot concours, j'adore faire ça, vous le savez. Et comme ça, je pourrais sélectionner une gagnante parmi les commentaires ici. Et d'ailleurs, dès maintenant, vous allez mettre un petit commentaire avec le mot tri à l'intérieur, hein, si vous êtes team tri en ce moment aussi ou pas du tout. Et vous mettrez un petit emoji, un petit cœur blanc. J'aime bien les cœurs blancs parce que c'est le petit truc que j'envoie à ma petite Luna. Et du coup, bah, je me dis, voilà, là, il y aura plein de commentaires avec des petits cœurs blancs et le mot tri. Ça va me donner de la force pour finir cette vidéo.
Ce soir, on mange tous les trois parce que mon fils et mon mari sont partis voir un match de basket et se faire un petit burger tous les deux en amoureux. Donc nous ce soir, ça va être de la salade avec les épices qu'on adore ici dans la famille et que j'ai partagé autour de moi. Tout le monde adore, c'est les épices, on appelle ça les épices de marche chez nous parce que la maman de mon mari adore en mettre partout dans sa cuisine et nous on adore. Donc là, j'en mets un petit peu. D'ailleurs, ça va être, je pense, l'ingrédient, le truc que je vais emmener au Canada dans ma valise parce que je pense que sinon ça va trop nous manquer. Et il y a un peu de pâtes, le reste de ce midi, du coup, les pâtes un peu en gratin. Et je vais faire ça aussi, les hachés à poêler, on adore ici. Donc voici pour le repas de ce soir, rien de fou, mais on va se faire des petites potes. Après on va se faire des petits pop-corn, je vais y arriver, devant un petit film. On va se regarder sûrement la bande à Picsou, pour ceux qui connaissent. On essaie de se revoir un petit peu nos DVD Disney avant de les vendre sur Vinted. Et je vous retrouve ce matin. Oui, et j'ai pas clôturé le vlog encore. Et là, je vous retrouve avec un big colis de nourriture. Et je me dis que c'est l'occasion d'ouvrir ça avec vous rapidement pour que je puisse ranger un petit peu tout dans mon frigo, dans mon congèle. C'est une collaboration avec la marque ProZiz. Je ne sais pas si vous connaissez. Écoutez, moi, je vais découvrir ça. C'est ma toute première commande. Et je suis trop contente parce que je vais pouvoir en faire profiter aussi ma famille, mon mari. Et on va pouvoir déguster tout ça ensemble. Il y a pas mal de choses à manger. Donc, allez, on ouvre. Je vois que ça respecte bien la chaîne du froid. C'est bien écrit que c'est censé rester congelé jusqu'au 15. Et ce n'est pas encore le 15. Donc, on est bon. Hop là. Et donc, ouais, c'est super bien congelé encore. Il n'y a vraiment rien à dire. Je vais pouvoir tout ranger. C'est trop bien. Ah oui, ça doit être des choses pour tenir encore plus au frais. Donc, j'ai pris des petites choses pour faire des smoothies avec les loulous, avec les enfants. C'est trop bien. Donc ça se présente comme ça, un fruit smoothie. De toute façon, je pense que je vous en parlerai aussi sur Insta. Je ferai des recettes, etc. pour vous montrer un petit peu comment je vais utiliser ça. Donc n'hésitez pas à me rejoindre sur Insta. Je pense que j'ai un code promo aussi pour vous et des liens à vous proposer. Donc je vous mets tout dans la barre d'infos si ça vous intéresse aussi. Parce qu'il y a quand même pas mal de promotions sur ce site. Et j'ai découvert là, vraiment, en faisant ma commande, qu'il y avait vraiment beaucoup de produits d'articles. Je savais même pas qu'il y avait du congelé à la base. Donc j'ai trouvé ça trop canon. Regardez-moi tout ça, plein de petits steaks là pour faire avec les enfants des steaks de poulet. Donc ça va être vraiment bien. Ah ouais, j'ai pris des glaces aussi, regardez ça. Voyons, c'est bien congelé. Hein. Oh là là là, c'est encore super frais. J'ai trouvé ça cool. C'est la première fois que je commande quelque chose de froid, de congelé. Je sais pas vous si ça vous est déjà arrivé de faire des commandes comme ça de choses congelées. Mais moi c'est la première fois. Ah oui, un gros burrito. Il est énorme. Énorme. Alors il y a pas mal de produits qui sont à base de protéines pour vous permettre de vous caler. Pour ceux qui ont des régimes alimentaires particuliers ou qui font beaucoup de sport, il y a vraiment sur le site plein de choses qui sont adaptées par rapport à ça. Mais moi j'ai pas forcément pris des trucs à base de protéines, j'ai pris des trucs, des articles, de la nourriture pour pouvoir faire un petit peu plus attention à mon alimentation. Bon, mis à part ça évidemment, et ça j'ai pris pour moi et mes enfants, oui, ça a l'air trop bon. Donc il y a plein de glaces aussi là-bas. Et il y a aussi des plats. Des plats pour emmener le midi à l'école et ça avait l'air trop bon. Vous voyez, un petit peu dans la catégorie diète, mais qui ont l'air très bonnes. Hein. De toute façon, je vous montrerai ça vraiment au fur et à mesure. J'ai les mains congelées déjà. I can't believe it's true. I'm just this surprised.
Bon, vous l'avez vu, j'ai pris pas mal d'articles pour faire des pancakes, des brioches, des petites recettes avec mes enfants. J'ai pris ça qui a l'air vraiment cool pour assaisonner ses salades de façon rapide en spray comme ça. C'est vraiment... c'est la première fois que j'achète ça et du coup, je trouvais ça trop trop bien. Et évidemment, vous avez vu, j'ai pris plein de wrap parce que j'ai bien l'intention d'en faire plein avec mes enfants. Bon, je suis désolée, il est pourtant le matin mais j'arrive pas à avoir une luminosité potable. J'ai pris aussi une gourde parce que j'ai trouvé trop canon. Elle était en promotion d'ailleurs, sachez-le. Ils ont, comme je vous l'ai dit, pas mal de promotions et j'ai trouvé trop jolie. Je vous la montre à la lumière un peu là. Regardez ça, comme elle est belle. Et je me suis dit que ouais, ce serait plutôt sympa pour faire des mélanges et pour tester les petites pastilles que j'ai pris là sur leur site qui permettent d'avoir un petit goût et qui permettent de favoriser la digestion, etc. Ces deux petites pastilles là, donc des sortes d'infusions qui se mettent dans l'eau. Ça, j'avais hâte de tester pour voir un peu ce que ça donne. Et d'autres qui sont pour la digestion. Donc je me suis dit, je vais me prendre une petite gourde pour mettre tout ça. Évidemment, le site Prozis, il est aussi connu pour avoir des accessoires, des tenues de sport, des choses comme ça. Je ne me suis pas encore penchée sur les tenues de sport, mais pourquoi pas prochainement. Et j'ai évidemment pris des sortes de claquettes, ouais, sortes de claquettes, mules ou tongs, je ne sais pas comment vous appelez ça, qui sont en plastique, voilà, pour si vous êtes près de la piscine, etc. Je me suis dit que ça allait être plutôt pas mal. J'ai pris en taille 41, c'est une sorte de blanc un peu chiné. Vous savez, style un peu recyclé, on va dire, avec des petits effets dedans. C'est plutôt joli. Alors après, on verra au pied. Je pense que ça me servira de chausson pendant les beaux jours, là. Quand on n'a pas envie d'avoir des pantoufles toutes moutes. Mais c'est plutôt pas mal. Bon, écoutez, je n'ai jamais testé ce genre de petite mule. Donc on testera prochainement quand il fera un peu plus chaud. Je vous retrouve maintenant. Je me suis préparée, je me suis fait un joli make-up. D'ailleurs, je vous montre mes nouvelles lunettes. Je sais pas, je vous ai pas encore montré, mais cette semaine je suis partie, la semaine dernière je suis partie chez l'ophtalmo et il s'avère que oui, en approchant les 40 ans, ma vue s'améliore et du coup j'ai décidé de prendre des petites lunettes un peu plus fines et j'ai gardé mes anciennes, j'ai juste changé les verres parce que je les aime beaucoup, mes anciennes avec une monture un peu marron. Donc voilà, tête un peu faite, je viens juste d'aller déposer ma fille en cours de musique et alors... Je suis passée rapidement chez Action parce qu'il me fallait du papier toilette que je trouve très bien là-bas et des scotch, vous savez, du scotch pour tous mes cartons de déménagement mais aussi mes colis Vinted. Donc il fallait que je rachète du scotch, j'en ai racheté 4 mais j'ai craqué pour d'autres choses et j'ai pensé à vous puisque je vous avais dit que dans cette vidéo je vous ferais un colis un petit peu surprise et je vous ai pris une palette puisqu'il y a des nouvelles palettes qui viennent de sortir chez Action vraiment là. Je pense qu'elles viennent juste de sortir il y a quelques jours parce que j'en ai pas du tout entendu parler sur les réseaux et moi je l'ai trouvé vraiment là par hasard. Je n'ai pas pu résister, j'en ai pris une peu au moins. Vous savez que ces petites palettes là sont vraiment sympas et pas chères et plutôt de bonne qualité. Et j'en ai pris une pour vous pour compléter mon lot que je vous prépare. D'ailleurs je vous mets tout de suite une petite vidéo un petit peu du lot que je vous concocte. Évidemment il y aura peut-être des produits en plus qui vont se rajouter parce que au fur et à mesure de mes tris, je vous rajouterai des petites choses et j'enverrai le colis au moment de mon tirage au sort. Je vous dirai la gagnante sûrement dans le prochain vlog, comme ça ce sera l'occasion de tirer au sort ensemble la gagnante ou le gagnant parmi les commentaires. Je vous avais dit d'ailleurs de mettre, je ne sais plus quoi, j'ai oublié entre temps, mais je vous remets ici en annotation ce que je vous avais proposé de mettre en commentaire pour pouvoir sélectionner le ou la gagnante. Du coup je vous montre rapidement mes achats. J'ai pris des popcorn pour ma classe parce que le dernier jour d'école j'aimerais bien leur donner des popcorn devant un film, j'aime bien faire ça avec mes élèves. Je me suis pris des sortes de petites lingettes comme ça pour nettoyer son visage, microfibre. Je sais pas, ça fait plusieurs fois que je chante dessus, à chaque fois je me dis oh non Karine résiste, on en a plein, mais là j'ai pas résisté. J'ai trouvé, vous savez que j'aime bien les vernis de chez Max & More et là c'est la teinte Pumpkin Spice et je n'ai pas pu résister. J'aime beaucoup tout ce qui est pumpkin. Et là, cette couleur un peu orange, assez claire. Je sais pas si vous verrez parce que, comme je vous ai dit, la luminosité est assez pourrie. Mais je la trouvais un peu orange nude. Elle était vraiment jolie, donc je l'ai pris. Bon, j'ai pris des basiques, hein, du scotch et des piles, hein, des trucs basiques. J'ai pris deux carnets de coloriage pour mes enfants, dinosaures et sirènes. Parce que, bah, en ce moment, mes garçons et ma fille sont à fond dans les dinosaures et les sirènes. Et j'ai pris donc la fameuse palette. Je vous la montre. Bon, au passage, je vous montre ma petite manicure. Hier soir, je me suis fait une petite manicure manicuriste. C'est la teinte Victoria Plum. J'aime bien manicuriste, mais je trouve que ça tient pas extrêmement bien sur mes mains. Ça tient mieux sur mes pieds. Mais là, j'ai retenté sur les mains et je vous en reparlerai sur Instagram hein, pour vous faire un petit bilan au bout d'une semaine, etc. Pour voir un peu ce que ça donne. Mais c'est vrai que la couleur, elle est canon. Donc, voici la palette Sparkle. Et je vous zoome un peu sur les couleurs. Donc, il y a un peu de vert, un peu de rose, évidemment. Hein. C'est une palette spéciale un peu Saint-Valentin, je pense, puisqu'aujourd'hui, on est Saint-Valentin. Et elle est plutôt canon.
Je vous retrouve juste pour crash tester ce petit truc là qui s'appelle H2O, que je viens de recevoir dans ma commande Prozis. Et c'est à la mangue. Du coup, je l'ai mis dans... Donc c'est un tout petit sachet en fait, comme ça, à mettre dans 1,5 litre d'eau. Donc c'est ce que j'ai fait, dans une grande bouteille comme ça, à mettre au frigo. Et je vais... la transvaser ici, parce que ici ça faisait pas 1,5 litre, ça fait 600 ml, donc comme il n'y avait pas assez, j'ai préféré faire d'abord dans une bouteille, une grande bouteille, et là je vais transvaser ici, et je pense que je vais goûter tout de suite avec vous, et puis après je vais le garder avec moi toute la journée. Je vais d'abord laver ma petite gourde. Bon, c'est une gourde un peu checker, à l'intérieur il y a un petit truc qui permet de checker si vous avez besoin de remélanger, et aller en goutte. Honnêtement, ça sent super fort la mangue. Oh là là, j'ai l'impression de boire une mangue pressée quoi. C'est assez fou. C'est hyper bon, hyper concentré en goût. Je diluerai un petit peu plus, je pense, pour que ce soit un petit peu moins concentré en goût. C'est de 1,5 litre jusqu'à 4 litres. Hein. Vous pouvez le mettre dans des plus grosses bouteilles. Donc écoutez, je trouve ça... Pour l'instant, c'est un bon ressenti. J'ai vraiment pas l'impression de boire de l'eau. Et c'est sans sucre, hein, sachez-le. Donc pour l'instant, je suis plutôt convaincue par ce premier test. Et ce midi, avant de vous quitter dans cette vidéo, on va tester avec les enfants et chérie, évidemment, les wraps. Donc on a sorti les wraps de chez Prozis, de la salade, du blanc de dinde, parce que nous, on aime bien faire les wraps à base de blanc de dinde, et de l'avocado. Donc on va se faire ça ce midi, on va se régaler. À bijoux vendu, vous savez, la petite armoire que vous avez vu dans ce vlog, elle est vendue, elle est partie. Donc je suis contente, ça fait de l'argent que je vais pouvoir mettre dans mes budgets planeurs, vous savez, économie. Donc ça va partir dans mon petit classeur là, qui est juste par là. Et bon, bref, vous avez vu la palette rapidement, mais je pense qu'elle va être très belle. Je vous en reparlerai, je pense, sur Insta. Je vais l'utiliser tout ça pour voir. Je suis pas hyper fan en ce moment du rose, mais je vais la tester quand même pour vous donner mon avis. Et puis voilà, sur ce, je vous laisse tranquille parce que je pense que ce vlog va être très très long. Je voulais vous mettre l'ouverture de la My Little Box et de la Beautiful Box. Soit je vous le mets en accéléré à la fin de la vidéo comme ça vous les voyez, soit j'avise par rapport au temps de cette vidéo. Sinon je vous la remontrerai dans une autre vidéo, je pense. En tout cas, j'espère que cette vidéo vraiment vous aura plu. N'hésitez pas à la liker dès maintenant, à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et on se retrouve dans des prochaines aventures de Karine, dans des vlogs, dans des rangements, dans des tris. Mais là je suis quand même super contente parce que grâce à vous, dans cette vidéo, je me suis quand même boostée à ranger. Et bon, il me reste encore mon gros meuble hein, de soins, mais ça ne saurait tarder, peut-être dans le prochain vlog hein, on fera ça. En tout cas, j'espère que ça vous aura plu vraiment, et encore un mille merci de me soutenir dans les commentaires, de mettre des likes et de partager ces vidéos, et je vous fais des gros bisous. Salut.